Salut toi, c'est Cool Zéro, très content de te retrouver aujourd'hui. On va continuer l'aventure avec la mission Chasse aux fantômes, que l'on va découvrir ensemble tout de suite. Je sens que ça va être génial. Alors là, on poursuit une série de quêtes que l'on a commencé avec un certain Happy, qui nous a amené à une grotte de l'oracle, où dedans il y a des écritures anciennes. Et ces écritures, en fait, nous apprennent qu'il y a des fragments d'armure disséminés un petit peu partout. Mais à quoi servent ces fragments d'armure et pourquoi les avoir disséminés? C'est toute la question. Quel est le but de tout ça finalement? C'est bien mystérieux. Et justement, ce que l'on va faire là, c'est de rechercher justement les derniers fragments d'armure. Normalement là, on devrait avoir la réponse à un certain nombre de questions une fois que l'on aura récupéré ces armures et ces fragments. Puisque Happy va pouvoir enfin nous redire d'autres petites choses. Oh oh, ça va être très cool. Pourquoi tu vas par là, toi? C'est par ici que moi je vais. Comme toujours, pense à me mettre un pouce bleu si ce type de vidéo te plaît, ça me soutient beaucoup. Et à t'abonner à la chaîne, sans oublier d'activer la cloche pour ne louper aucun des nouveaux let's play que je publie régulièrement. Si tu ne connais pas la chaîne, c'est le moment de la découvrir. Bon allez, trêve de bavardage et place à cette aventure. Alors là, on se dirige droit vers cette zone. Apparemment, c'est un temple, le temple d'Orion. Que cache ce temple? On nous mettait apparemment en garde. Oh oh, tombeau d'Orion. Ok. Déjà, ça démarre mal parce que je vois qu'il y a des chèvres qui sont malheureusement mangées. Est-ce qu'il n'y aurait pas... Ok, là, il n'y a rien. Est-ce qu'il n'y aurait pas une... des lions? Ou pire encore, je ne sais pas. En tous les cas, on va explorer ce tombeau. C'est parti. Oh, il fait bien noir ici. Ouh, quelqu'un. Il arrive trop tard. Ils sont tous morts ou devenus fous. Je ne comprends pas. Qui t'a fait ça? Je n'en sais rien moi-même. Mes frères et moi avons été attirés ici et la folie s'est emparée de nous. Nous nous sommes battus pour l'artefact. L'un d'eux l'a pris et il est parti. Il a pris le fragment? Fouille les grottes. C'est là qu'il se cache. Mais méfie-toi. Oh, la folie a frappé. Eh ben super. Alors, trouver et tuer les fidèles démons. Les fidèles sont en Béotie, ils sont près du centre des hauteurs d'Oropos. Ok. Et lui, il est comment là? Ouais. Ok, là c'est fermé. Ok, donc on n'ira pas plus loin dans le temple d'Orion, ils ont trouvé le fragment. Et ils sont devenus fous. Heureusement que c'est eux et pas moi. Allez, on remonte. On va remonter cette colline. Ils ont dû s'enfuir par là-bas. Je vois le marqueur au loin. On va envoyer Karos. Ça y est. Karos trouve ça dans la zone. Hop, qu'est-ce qu'il voit? Là. Là-haut. Dans les montagnes. Une grotte. C'est là qu'il faut qu'on aille. Allez, on remonte. Pourquoi aller dans des grottes après avoir récupéré ce fragment? Je ne sais pas. On va peut-être découvrir quelque chose. Quelque chose qu'on ne devrait pas forcément voir. Cette quête est empreinte de mystère. Allez. Grotte de la folie. Eh ben, elle porte bien son nom. Oh oh. Les dieux ne parlent qu'à moi. Oula. Allez hop, on essaie de les brûler là, déjà. Et maintenant on passe à l'attaque. Et d'un, et deux. Allez, hop, le troisième. Ne résiste pas.
C'est la folie qui te mène. Ouf. Paix à ton âme. Jeune fou. Est-ce que le fragment a eu une influence sur eux? Ah, on a récupéré en plus une ceinture mycénienne rouillée. Attends, on va quand même explorer le lieu, parce que... Eh, il y a un trésor ici, hein. Nous, on fait pas les choses à moitié, hein. Tiens, il est là. Casque de vainqueur. C'est cool, ça. Et en plus, on a fini d'explorer la grotte de la folie. Très, très cool. Allez, on va retourner voir Happy. Je t'épargne justement le chemin. On se retrouve sur place tout de suite. Allez, nous voilà proches de la crotte de l'oracle, toujours en B aussi. On va aller voir de quoi retourne ce nouveau fragment que l'on a trouvé dans cette chasse aux fantômes. Allez, on fait le tour. Comme toujours, on s'approche de la grotte. Qui est juste sous nous. Hop, le petit saut, bien placé. Et on rentre dans cette grotte. C'est une quête assez importante. Quels vont être les enseignements? Le secret de la grotte? C'est bien mystérieux en tous les cas tout ça. Allez, si tu te souviens, c'est à droite. La porte que l'on a ouverte avec le premier fragment. Les premiers mots que l'on a appris avec justement les fragments suivants. Et là, le nouveau fragment. Hop, hop, hop. Cette tâche devrait nous apporter la vérité. Oh ! Il y a du sang dessus ? Oui, mais à part ça, il est intact. Des gens prétendent que ces objets leur parlent. Comment c'est possible ? Curieux. Moi, je n'entends rien. Et toi ? Des paroles de fou. Les fragments suivants nous en diront peut-être davantage. Il va falloir nettoyer celui-là. Espérons que ceux qui restent sont propres. Je vais chercher le reste des fragments. Mes collègues vont enfin devoir me prêter l'oreille. Il est écrit que le rituel doit actionner quelque chose. Mais quoi ? Qu'arrivera-t-il quand nous aurons tous les fragments ? Penses-tu qu'il y aura un trésor ? Une partie de la traduction m'échappe. Ce passage parle de valeur. Quoi d'autre ? Celui-là évoque une vision intérieure. Mais le sens n'est pas très clair. Tu as presque tout traduit. Tu n'es pas content ? Tu dis que certains entendent des choses, qu'ils croient qu'on leur parle. Moi, je n'entends rien. Je ne ressens rien. C'est une découverte importante. Tu l'as dit toi-même. Ne t'inquiète pas de ce que disent ou ressentent les autres. Je sais. Je suis conscient de son importance d'un point de vue logique. Mais pourquoi je ne ressens rien ? Et cette mention de valeur, est-ce que j'en serais indigne ? Et si c'était les dieux qui étaient indignes de nous ? Écoute, ce n'est pas terminé. Attendons la suite. Tu as raison. Allez, secoue-toi un peu et concentre-toi. Tu as raison. Nous devons continuer. Il y a deux lieux à explorer cette fois. Un temple dans la ville d'Orchoménos. Il est près du port. L'autre, en revanche, est plus difficile à situer. Il y a des ruines près de la côte, à proximité de l'hôtel dédié à Iphigénie. Bon, très bien. Retrouve le sourire, nous touchons au but. Oh oh ! Encore plus de mystères et plus de questions. Mais pas plus de réponses pour le moment. En tous les cas, on a fini cette quête, la quête de la chasse aux fantômes. Et on a accepté plusieurs autres quêtes. Et voilà, j'espère que ce let's play t'aura plu. Moi je me suis éclaté, dis-moi si tu as kiffé en commentaire. N'oublie pas de me mettre un pouce bleu et de t'abonner si ce n'est pas encore fait en début de let's play. Sans oublier la petite cloche, ça soutient la chaîne. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Moi je te dis à la prochaine pour la suite de cette aventure. C'était Cool Zero, ciao ciao.